c'est tellement épique. Démonter tout le monde. Salut. Oui, pourquoi là les professeurs? Vous voulez pas défoncer les gobelins? J'ai pas que ça à faire moi. Attends, il y a de la dynamite. Merci d'avoir mis cette dynamite. Oh, ils sont bien recoupés là. On va faire un petit peu de bois. J'utilise beaucoup de potions, va peut-être falloir en garder. Hein. Ils veulent me troller ou quoi? Vous avez compris? Un troll en fait. Ah! Tiens, connard, bah. Il me jette pas des cailloux, hein. Il m'a pris pour un CRS ou pas? Mais... Je vais mourir. Mais... Je suis bloqué dans la montagne. Éloignons-nous de ce cul-de-sac. Tiens, frappe-toi. Pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes? Fais-moi ton goûter. T'as perdu ça, je te le rends. Ils sont de plus en plus forts, les trolls. Excuse-moi, je t'ai esquivé. Oh, la petite baguette là, directement dans la face. Hey, monsieur Bidule, c'est l'aurore, l'ancienne aurore. Dégage, t'es. Bien joué l'équipe. Oh oh. Merci Madame Weasley. Elle est pratique. On se poursuit par des gobs. Ouais, c'est bon en fait. Plus de gobelins ici. Mon professeur Fig, toi-même tu sais. Tu vois les grosses statues en face? On marche comme ça. Parce qu'on ne fait pas de bruit. Bonjour. Ah là là, on s'y attendait pas, dis donc. La baguette, vite. Ah, c'est la baguette de fée. Non, c'est la baguette de je sais plus quoi, mais qu'on a fait il y a pas longtemps. Lumos. Oh, félicitations, monsieur, quelle belle baguette. Nous sommes à votre service pour l'éternité.
Je pense que Fig a un lumbago. Marche un peu lentement. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a réussi. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrock. T'as raison, mec. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien, mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Ben, je dois pas le détruire et je dois pas l'ouvrir. Je sais pas, moi. On regarde ici. Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Ouais, t'étais trop occupé à faire la sieste. Que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous? À jamais. Le gardien avait raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. On sent vous manquer de respect, professeur Fig. Vous n'avez pas énormément de temps à vivre, j'ai l'impression. Vu la vitesse de marche. L'arrogance sans borne des sorciers. C'est du Ragnarok. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ragnarok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. Une baguette? La baguette de Myriam. Ah, la baguette de Myriam. Juste donner le réceptacle. Tout cela aurait pu être évité. C'est pas faux. Une sorcière trop fière et imprudente. Cri de rage. Vous alliez si bien ensemble. Elle n'a pas su s'avouer par la cul. Bon bah voilà. C'est fini. Après la Moria, l'œil de Sauron, décidément, t'es plus un gobelin mec, t'es un dragon. Monsieur Fig. Monsieur Fig est mort si rapidement. Oh, toboggan. Je sais pas où je vais mais je dois courir je pense. Pas du tout où je dois aller. Hein. Vaincre Ranrock. Ok. Bonjour. What? C'est bon, mec. Tiens, Flipendo. Bah voilà, je l'ai tué en fait. Et il perd très peu de vie. Hein. Ah, ça marche pas les... Bon, il faut que je trouve comment faire. Là, il y a un truc. Ça serait plus facile avec de la magie ancienne, non?
C'est les Clipendo contre un dragon géant en pierre, bof, hein. Trop fort, mec. Ça, dragon de l'enfer, j'invoque le dragon. Wow. Merci. Attends, je ramasse l'XP et j'arrive. Je suis pas une créature, je suis un humain. Ça sert à rien de protégoter, je peux pas m'en servir. Attends deux secondes, s'il te plaît. Génial, elle est disparue. On fait comment maintenant? Attends, j'ai pris mes trucs d'animaux. Wow, ça joue en verticalité là. Péter la gueule, mec. Il tire énormément de pieds. Mais vas-y, arrête, s'il te plaît. C'est un sac à PV en fait. Le combat est pas dur. C'est un sac à PV. Absorber le dragon, bah d'abord non, et j'ai plus de 5 potions, hein. Non, ça, je suis pas mort, mais lâche tes trucs, je suis dans le truc animaux encore. Le R1, ça... Ah! J'ai plus de 3 potions, ok. Est-ce que le R1 ça vaut mieux que le Protego ou pas? Ce genre là, ok, mais je peux pas faire à tous. Tac.
Ça aurait pas plus de vie que les petits sorts. Hein. Mais... Donc non, je le renvoie pas bien. Ok, 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 il y a Protego et R1 quoi. On se casse. Petit dragon. Bien ça, bien ça. Il faut que je tape des esquives, c'est mieux. Bon, je t'assure que si, je suis juste en train de me péter la gueule, quoi. Y'a pas des petites potions cachées quelque part? Des petits vegan belts un peu n'importe où, non? Ok. Ah, il y en a un qui est pas passé, c'est ça? D'accord. Allez. Non, mais non, je dois pas prendre de dégâts là-dessus. J'ai pris un peu dessus ici. Bon, ça va peut-être me porter chance, cela dit. Et non, mais je prends des dégâts nappes là. Je dois pas prendre des dégâts là-dessus. Allez, allez, c'est bon là, hein. On sait qu'il est pas mort, on sait qu'il est pas mort. On le suit du regard, on le suit du regard, on le suit du regard. Tricheur. Non, 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 non. Il triche. Non, je me trompe de touche.
chercher la fille, bordel, elle est disparue. Mais non! Mais pourquoi tu fais ça? C'est bon? Ou il va encore me feinter et m'attaquer alors qu'il est par terre? Ah, ça a l'air d'aller, je peux plus bouger de toute façon. Wouh! Ah, il est pas mort, fille. J'ai qu'un Jandy Gamma avec ma baguette. Non, c'est Edgar. Désolé. Tenez. Sa baguette. Myriam. Vous aurez adoré mon enfant. Votre femme était une cougar. Pardon, c'est un sentiment de personne. Ne pourrait être entre de meilleures mains. Waouh, cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.